d'entrer un coup de cœur pour ce canot automobile de 7 mètres qui nous ramène quelques années en arrière. Le Frauscher 717 GT est l'œuvre d'un chantier autrichien créé en 1927 à Vienne et spécialisé dans la fabrication de bateaux haut de gamme, voile ou moteur, entre 6 et 9 mètres. C'est du vrai cousu main. Point commun des modèles, une recherche absolue de la perfection, que ce soit pour les lignes ou encore la qualité de fabrication. Paris de nouveau réussi pour le nouveau 717 GT avec un style qui oscille entre runabout des années 60 et une voiture de sport. Un bateau plutôt conçu pour les plans d'eau intérieurs comme le lac de Côme par exemple, ce modèle affiche donc une ligne très racée qui lui interdit en principe d'affronter les mers difficiles, quoique. Motorisé en ligne d'arbre avec un inboard central diesel ou essence de 250 à 420 chevaux, Volkswagen Mercruiser ou Volvo Penta, le Frauscher n'a pas froid aux yeux avec des performances alléchantes et un rapport poids-puissance intéressant. Avec 1500 kg seulement, le 717 GT flirte avec les 50 nœuds dans sa grosse puissance essence. Doté d'une carène OV profond et aidé par des redans et autres virures, il se montre ultra réactif mais demande un certain doigté en pilotage pur. Et si la coque se montre très basse sur l'eau et sportive, celle-ci est entièrement recouverte de tech sur le pont comme sur la plateforme arrière pour donner au Frauscher ce pédigré néo-rétro. C'est une vraie réussite. Un grand bravo aussi à son pare-brise noir fumé et à son gel-coat impeccable. En véritable pièce de collection, le Frauscher offre une finition et une qualité de fabrication hors pair à l'autrichienne. Pont en tech, sellerie en cuir avec couture parfaite et cadran racing. Il manque juste un peu de luxe et d'éclat dans le poste de pilotage, jugé trop terne et simple. Le choix du noir affirme en tout cas le caractère exclusif du bateau. L'idée consiste en fait à naviguer sur un modèle hors du commun et quasi unique. Unique également côté prix car celui-ci démarre à environ 100 000 euros en version de base. Bien entendu, tout est possible selon les critères du client car le Frauscher GT est entièrement réalisé à la main et sur commande. Pour cela, il vous faudra patienter plusieurs mois avant de prendre le volant de ce bolide 100% futuriste. A noter enfin qu'une version hybride STER, c'est-à-dire thermique, électrique, est également au catalogue.